m'appelle Maëva Frémont. Je suis Colomba Bellafonte. Je suis Sarah, stagiaire chez Mexique Découverte. Je suis chargée de communication. Je suis responsable en communication chez Mexique Découverte. Je suis chargée de communication à l'agence. Parce que je voulais venir au Mexique, tout d'abord, devenir trilingue. C'est une agence qui laisse pas mal de liberté. L'an passé, une étudiante de mon école était venue ici en stage et ça s'était très bien passé. Son expérience au Mexique et aussi à l'agence, donc c'est pour ça que ça m'a motivée à venir. Le travail à l'agence se passe très bien. Pour une première expérience de communication, c'est vraiment bien. On touche à pas mal de choses, pas mal de logiciels. On arrive à échanger facilement, à donner notre avis. On peut présenter nos idées sans avoir peur de se faire juger. On arrive le matin vers 9h à l'agence. On commence par un petit café, on discute tous ensemble. Après on se met au travail. On surveille que les posts et les stories soient bien à jour, que tout soit programmé pour les semaines d'après. On réfléchit sur les blogs, sur du nouveau contenu. Voilà, on touche un petit peu à tout. L'ambiance générale au travail, assez conviviale, on travaille tous ensemble dans le même espace ouvert. Le télétravail, c'est beaucoup de liberté, donc après, il faut quand même être opérationnel dès 9h. Et puis en fait, on fait exactement la même chose qu'à l'agence, mais depuis la maison ou depuis nos destinations, si jamais on va voyager. Ce que je préfère faire à l'agence, c'est établir des nouvelles stratégies de communication, réfléchir à des stratégies sur le long terme, créer du nouveau contenu. C'est le montage vidéo. Quand on part voyager aussi, j'aime beaucoup réaliser des petits vlogs et des TikTok qu'on va publier ensuite sur le compte. Au-delà du caractère professionnel de notre relation, on retrouve quand même ce lien familial entre nous tous dans cette agence. C'est un peu comme avoir une famille au Mexique au final. Dès le début, ils nous ont mis à l'aise, ils nous ont bien expliqué les choses. Ils veillent même à ce que notre expérience en général, que ce soit personnelle ou professionnelle au Mexique, se passe bien. Ils sont toujours joignables si on a un problème ou une question. L'avantage, c'est vraiment la liberté. La liberté, parce qu'on peut travailler d'où on veut. On travaille à l'agence, mais on peut aussi travailler de partout dans le Mexique, donc c'est vraiment génial pour pouvoir découvrir ce pays que je ne connaissais pas avant. Venez motiver. Ne venez pas si vous n'aimez pas ce que vous faites. Il faut aimer le Mexique, il faut aimer voyager, il faut aimer produire du contenu, il faut aimer la nouveauté. Ce que je conseillerais, c'est vraiment d'être force de proposition, dans le sens où s'occuper de la communication digitale, ça peut paraître simple, entre guillemets, de faire du community management et de travailler sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il faut vraiment voir plus loin que ça, travailler vraiment le fond et pas que la forme. Et Brigitte et Jean-Charles sont vraiment très ouverts à toutes les propositions. Oui, j'apprécie fortement ma vie ici au Mexique. Les Mexicains sont très accueillants. C'est vraiment un pays qui est très riche culturellement, historiquement. Le climat est incroyable. Il fait très beau, il fait très chaud. J'adore la nourriture aussi pas mal. Le fromage, ça me manque. Et le vin aussi. On peut que se plaire ici. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je recommande à tout le monde de venir vivre ici. On vous attend chez Mexique Découverte, que ce soit en tant que stagiaire ou en tant que client. On vous accueillera à bras ouverts. Et si un jour vous avez envie de partir à l'étranger pour travailler, même tout simplement pour voyager, vraiment n'hésitez pas, c'est très très enrichissant. Donc n'hésitez pas.